إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من خير إمام ساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui nous peut continuer vers nous. Nous besoin encore une fois dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous continue à apprendre concernant ce dîme, concernant faveur qu'il vient faire nous en ce qui concerne dîme à l'islam. Dans la session qui vient traverser, mon frère et ma soeur, nous finissons apprendre concernant vertu de l'islam afin qu'il nous connaît valer de sa dîme, afin qu'il nous capable motive nous-mêmes pour qu'il nous attrape l'islam fermement, surtout dans l'époque qui nous peut vivre avec sa quantité fitna qui est là. Avec sa quantité de doutes qui, ben, Dimoun peut essayer de mettre dans la tête pour qu'il se fait nous dévier depuis l'islam ou bien depuis l'islam authentique, alors nous t'y mettons devant eux certainement point à la lumière du Coran, du Hadith, pour montrer nous comment dîne à l'islam, c'est sa même dîne qui est supérieure. Et nous savons valer de sa dîne-là l'importance. Dîne à l'islam comme un dîne, comme un mode de vie pour qui nous suivent dans la vie pratique. Et après, qui nous fait apprendre un petit peu plus en détail dans le dernier session. Qui veut dire l'islam? Qui signification, qui implication de l'islam? Quand on peut dire moi le musulman, alors qui veut dire ça? Quand on dit moi appartenir à l'islam, alors, qui veut dire ça? Nous apprenons ça un petit peu plus en détail dans le dernier séjour qui nous a fait la semaine dernière. Alors, après qu'il nous fait apprendre tout ça à ce point-là, il y a une autre chose qui est bien importante pour nous connaître et nous mettre en pratique dans la vie. Nous sommes capables de connaître qui va aller à l'islam et là, nous connaissons l'importance, nous sommes capables de connaître qui veut dire l'islam, mais il y a un autre point qui vient juste après ça. Si nous ne pas mettre ce point-là en pratique, alors tout ce qui nous apprend et nous le met bien en pratique, tout ça là n'est pas vraiment et là, et un sens. Qui point qui est important après tout ça là, c'est l'obligation pour qui nous quitte tout quitte chose à part parole Allah subhanahu wa ta'ala. L'obligation pour qui nous quitte tout quitte chose à part livre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons livre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Coran. Alors, nous attrape Coran et à part Coran, nous quitte tout quitte chose. Nous quitte tout quitte chose. Mais dire nous, seule quelque chose qui est dans l'importance pour nous, nous cause en termes dîne à l'islam, nous dîne. Seule quelque chose qui est dans l'importance pour nous, c'est le Coran. C'est qui le Coran qui nous enseigne. Alors, qui veut dire l'obligation, qui tout quelque chose à part le Coran, c'est nous montrer qu'il nous pas en besoin de quoi que ce soit en ce qui concerne nous dîne à part le Coran. Nous pas besoin d'en rien. Ni aucune encyclopédie, nous pas besoin aucun livre et nous pas besoin d'enlier à part le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment nous faire ça? C'est nous mettre en pratique ce qui est le Coran à financer. Comment nous vous montrer qu'il nous besoin le Coran et nous pas besoin d'enlier à part ça? C'est ce qui est le Coran à financer comme l'enseignement
nous prenons-les, nous mettons-les en pratique dans nos lives. Et nous mettons-les en pratique, c'est pas dans ce qui nous trouve bon, ce qui lié à nous l'avantage, ou bien ce qui pas trop difficile pour nous, non, mais nous mettons l'islam, nous mettons le Coran en pratique dans nous la vie, dans tout ce l'aspect. Dans tout l'aspect qui est là. Qu'il soit dans nos akhidas, ce qui est Coran, financer nous comme croyance, nous prenons, nous mettons dans nous la vie. Nous implémentons dans nous la vie, ce qui est Coran, financer nous concerne en bas de la loi. Alors nous prenons, nous appliquons dans nous la vie. Non plus, qui ça la loi là, il est facile pour moi, alors mon frère dit. Ça la loi là, non, on va pas gagner trop, vous casse avec ça. Alors, nous prenons, nous mettons d'un côté, ça, nous va vous prendre. Ça, c'est pas qualité d'un vrai musulman. Celui qui ne comprend qui veut dire l'islam, il ne comprend qui va lire l'islam, il ne donne lui. Nous pas veut dire qui va lire l'islam maintenant. Mais qui va lire l'islam, il ne donne lui. Qui le lit à l'islam, il ne donne lui en tant qu'une personne. Alors, pénalité. Les pour prendre l'islam, les pour mettre en pratique dans cela vie, dans n'importe quel aspect. Alors, nous montrer qu'il nous visait seulement le Coran, pour qu'il nous vive, nous, la vie, l'eau, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous peut dire ça, une autre petite chose qui est importante, nous faire ressortir, nous peut dire, nous visait juste le Coran, nous pas besoin de rien à part ça. Alors, nous capables de poser la question, mais qui nous fait avec la sunna? Qui nous fait avec la sunna. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin amené. Qui nous fait avec lui? Ça, c'est une question qui nous pas supposé même poser. Parce que Coran avec la sunna, c'est une seule question. Coran n'est pas séparé depuis sunna. Sunna n'est pas séparé depuis Coran. Nous pas capable de prendre Coran, nous délaisser sunna et nous trouver ban qu'il fait. Ça, action-là, je ne prends pas le Coran, je ne quitte sunna, je tombe dans un négament clair et je peux enfoncer, je peux aller même. Ben, qui, je quitte le Coran, définitivement, c'est l'équipe Coran, il n'est pas pour attraper sunna. Ça, définitivement. Donc, un démon, quand il attrape le Coran, il est obligé d'attraper sunna. Parce que l'explication de sa Coran, c'est la sunna, c'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait amener comme explication. Elle, parmi ben l'exemple, qui souvent, ben on l'a mal prend, ou bien, même, l'homme imba de tani, c'est la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient nous faire salat. Est-ce qu'il explique nous dans le Coran comment faire salat? Combien de takbir est là? Combien de beaucoup? Combien de sijda? Et là, tu as là-dedans, dans le Coran. Que nous trouvons-lui, c'est dans la sunna. Alors, ça dit la dimanche, l'immense ensemble. Mais les tibons nous fait ressortir sa quitteuse-là. Parce que demain, je ne suis capable de trouver un dimon, de mettre un doute. Alors, il dit, bizarre, prend le Coran, il délaisse tout quitteuse. Alors, nous délaisse sunna là aussi. Nous délaisse hadith là aussi. Donc, il n'est pas drôle. Et d'ailleurs, comme les dimons, il est déjà fini. Il est déjà fini, tombe dans sa pièce de Shaitan là. Et je finis égaré. Alors, nous attrapons le Coran, nous attrapons le Sunna, et nous mettons en pratique dans nous la vie. Alors, c'est dans sa façon-là qu'il nous montre qu'il nous besoin juste le Coran, et nous pas besoin de rien, apporte le Coran. Alors, une façon pour comment nous montrer nous besoin du Coran pour nous vivre, nous la vie, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui n'apporte ça, c'est une quitteuse. Soit qu'il est une secondaire, ou bien qu'il est une même aucune importance, nous faire l'identité à travers des quitteuses. Premièrement, nous montrer qu'il n'est pas besoin d'en apporter le Coran dans ressources nouvelles informations. Dans ressources nouvelles informations qui est important dans sa dîne. Tout bonne information qu'il est important pour nous connaître dans dîne Allah subhanahu wa ta'ala, que nous vous gagnez, c'est dans le Coran et la Sunna. Or, que ça, c'est une quitteuse qui, s'il y a en accordance avec le Coran et Sunna, nous prenons, s'il y contredit le Coran et Sunna, alors nous rejetons, si nous n'y sommes capables d'affirmer qu'il y en accordance avec le Coran, et ni nous capables de dire contredire le Coran et Sunna, alors qu'il nous fait, nous quittons tranquille. Nous quittons, ni nous dire,
Oui, li en accordance, nous disons li contredire, nous quitte li tranquille. Nous quitte li tranquille. Donc, nous attrape ce qui est là dans le Coran et toute information nous tient li depuis ça Coran. Ça, c'est la façon qui nous montrer, nous prend le Coran, nous prenons juste le Coran, donc tout qui chose qui nous est là pour faire référence dans le dîme, que nous tient li dans le Coran. Et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, nous montrer qu'il n'y a pas besoin d'un apôtre Coran pour nous dire, l'orateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devant quelque chose qui nous peut chercher, devant quelque chose qui nous peut rôder, alors nous attrape seulement Coran et la sunna. Alors, nous venons avec ça pour là, avec un petit peu plus de détails. Quand nous peut dire, nous attrape Coran dans ce qui nous peut rôder, dans ce qui, veut dire, nous attrape Coran et la Sunna, dans ce qui nous fait rôder, nous prenons Coran là comme une seule source. C'est ça, dans la domaine qui nous gagne toute information, et c'est à travers sa Coran et sa Sunna là même, qui, ben, quelque chose qui nous fait rôder, nous pouvons gagner. Qui veut dire ça? Qui nous fait rôder? Nous rôde, nous aqida, nous rôde, nous ibadet. Que nous tiennons dans? Dans Coran, nous tiennons dans? Dans Sunna, donc toute déduction qui nous fait, hein, qu'il soit concernant ben, la loi ou bien concernant ben, une croyance qui est là, qui vous nous connaissez, qui est en accordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui vient révéler, ou bien lui contredire ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient révéler, nous vous trouvons dans le Coran ou bien nous vous trouvons dans la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui appelle ban l'opinion, ban causé, tant ici, tant là-bas. Alors tout ça là, c'est ban quelque chose qui nous apprend, nous êtes à l'origine de nous. Nous pas prendre ban l'opinion compte aussi longtemps qu'il n'y pas, lit pas en accordance, lit pas conforme avec ce que le Coran et la Sunna enseignent. Parmi nous gagne l'opinion de ban ulama. L'opinion de ban ulama, quand nous prend lit, c'est quand les papes contredire ce qui est Coran et ce qui est Sunna fin enseigné. Là, nous capables de prendre ce qui est Ban Ulama fin amené. Mais si nous avons Coran, nous avons tafsir, nous avons hadith, nous avons explication de ce Ban Hadith là, ensuite nous avons l'opinion d'un parmi Ban Ulama, les capables d'un Ulama qui dit de confiance. Au général, nous avons un Ulama qui dit de confiance, nous avons un Ulama qui en dehors sa cadre là. Donc, les dignes de confiance, mais seulement sur l'opinion de ça qui se donne. Les contredire, ce qui qu'on a les hadiths média, alors qui nous fait avec lui, nous rejette lui. Nous rejette lui parce qu'il se parole, il n'est pas capable et n'a plus valeur que ce qui Allah subhanahu wa ta'ala finance à nous. Ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui finance à nous. Donc, n'importe qui l'opinion qui nous tendait, n'importe qui causait qui nous tendait concernant digne Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est malheureusement, c'est une petite chose qui aujourd'hui l'invite trop facile l'eau la langue de Bandimoun. L'invite trop facile l'eau la langue de Bandimoun cause bon avenir concernant Dine Allah subhanahu wa ta'ala. Un groupe du monde inzouane, il commence cause concernant Dine Allah, alors ça là vous donne sur l'opinion, le tala vous donne sur l'opinion, un troisième vous donne sur l'opinion. Finalement, vous avez une discussion qui vous déroule, mais seulement, non, il n'y a pas base de ce qui est Coran et ce qui Sunna peut enseigner. Chacun peut dire ce qu'il lit, il pense. Mais, Coran et Sunna pas enseigné nous ça qui est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas amené un dîn pour qu'il nous mette nous l'opinion là. Il a amené un dîn pour nous suivre. Il pas amené un dîn pour qu'il nous vienne introduire qui est là. À cause de même, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Al-Yom Akmal que la Kundina, comme aujourd'hui, mon, complète ce dîn, un dîn qui complète, un verre qui remplit, est-ce qu'il nous a rempli en cours? Pas envie de déborder. Alors, comme ça même, nous dîmes, c'est un dîme qui est déjà complet, qui est déjà parfait. Puis, il n'y a rien qui vous a ajouté ou bien retiré là-dedans. Et plus que ça, il n'y a plus pas besoin de nous l'opinion. Nous l'opinion avec nos manquements de nous l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala se dit, il n'y a pas besoin de ça. Donc, n'importe qui l'opinion, nous guetter premièrement, est-ce qu'il lit conforme avec ce qui Coran peut dire, avec ce qui Sunna peut dire, si les marchent ensemble au même chemin, alors nous prenons les. Si les contredire ce que Coran et Sunna veut dire, nous prenons les, nous mettons les dans elle quoi. Là, on va faire, et va dire, comme si
nous me fait quelqu'un dit tout, ou bien qui ça dit là pour penser, nous pas qu'être tout ça là. Les capables, un dit qui plus proche avec moi, me estime extra beaucoup. Mais seulement si ce parole, ce qu'il peut dire à moi, lit pas d'après Coran et Sunna, alors nous prenons lui, nous mettons de côté. Nous pas capables de compter un dit plus qui ce qui nous compte Allah subhanahu wa ta'ala, plus qui nous compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qui nous compte nous-mêmes, parce que est-ce qu'il nous pas compte pour nous rendre dans le Jannah? Seule façon pour nous rendre dans le Jannah, c'est à travers suivre Coran et Sunna. Donc est-ce qu'il nous capable de compter un dit plus qui nous compte nous-mêmes? Définitivement non. Donc quand nous prenons, nous prenons l'idée de sa façon-là, quand nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors peut-être parfois par manque de connaissances, par manque de compréhension, nous pas arriver à comprendre sa réalité-là. Mais prends-le comme ça. Est-ce qu'il est capable de compter sa dîme-là, plus qu'il me compte moi, ma bonne destination dans l'akhira? Mettre ça de là, elle balance. Et dans sa dîme-là, il y a ma jannette à côté là. Laquelle qui me choisir? Définitivement, quand nous pensons de sa façon-là, les là nous prenons bonne décision, pas même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous vous suive ce qui vous a suivre et nous vous quitte ce qui vous a quitté sans qui nous, veut dire, nous blesse quelqu'un, sans qui nous insulte quelqu'un. Mais si ta parole est contredire le Coran, alors te garde pour toi, nous pas en besoin de sa parole là. Alors, par exemple, une parole en cours qui va dire une cause concernant le dîner d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons beaucoup de gens spéculer concernant Qiyama. Ça, c'est un topic qui vient sur, un topic qui est trending. Tout le monde cause quand Qiyama pour venir. Arrive à un certain moment, cause là, il taille, après il relève. Donc, quand Qiyama pour venir, quand Dajjal pour venir, qui va, combien de temps du monde pour vivre dans la terre, ça aussi va du monde causer. Donc, tout ça là, il n'a aucune importance, tant que cette information là n'est pas sortie, depuis le Coran, n'est pas sortie depuis la Sunna. Alors, n'importe qui, parole qui nous traite, ça n'a aucune importance de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, nous prenons, nous mettons dans une boîte et nous attrapons seulement ce qui est pour Coran péché nous et ce qui est la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il peut enseigner nous. Parce que le Coran, il suffit pour nous, l'autre bande des autres qui tueuses. Le Coran et Sunna, il suffit pour nous, l'autre bande des autres qui tueuses, que nous sommes capables de dire, nous bande d'informations. Et qui s'en va pour informer nous concernant le dîme, autre que celui qui vient révéler sa dîme à lui-même. Et celui qui vient expliquer, c'est-à-dire, dans façon qu'il vient expliquer, d'après ban hadith, qui vient jusqu'à nous. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Banna qui vous donne nous toute cette bonne information là. Alors comment est-ce qu'il nous capable de prendre Banna cause compte et nous quitte ce qui Allah subhanahu wa ta'ala lui vient informe nous. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui vient informe nous qui personne n'a pas connaissance concernant sa bonne petite chose là. Concernant Qiyama, quand il vous venez combien de temps du monde pour rester sur la terre? Alors, ça, c'est une petite chose qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a connaissance de ça, comme on l'informe nous, dans Surah Luqman, à la fin de sa Surah-là. Donc, quand une personne, et quand un musulman, plutôt, il y a la conviction que le Coran, il suffit pour lui. Le Coran, il suffit pour lui. Alors, tout sa bonne recherche, ou bien tout sa bonne bout de papier, tout bonne documentation qu'il fait, ou bien ben, l'opinion de ben, du monde, alors ça n'est pas pour aucun valeur pour lui et n'est pas pour perdre sur les temps. N'est pas pour perdre sur les temps dans engage-lui dans sa bonne qualité causée-là, dans sa bonne qualité discussion-là. Au contraire, il est pour consacrer sur les temps d'apprendre sur le Coran, il est pour consacrer sur les temps d'apprendre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les finançait et il est pour mettre en pratique. Et comme ça même, en ce qui concerne par la loi dans dîn Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous prenons les débuts Qur'an. Nous prenons les débuts Qur'an, nous déduisons ça par la loi là, débuts Qur'an et ce semblable. Ce semblable, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et une petite chose qui montre nous la perfection. Quand nous pouvons apprendre concernant dîn Allah subhanahu wa ta'ala, elle montre nous
qui nous peut bien apprendre, bien nous peut suivre le bon chemin dans la recherche de la connaissance, c'est source de nos connaissances, divine de le Coran, divine de le Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit, et bien la loi concernant halal, haram, ce qui nous gagne droit faire, nous pas gagne droit faire, qui chose, qui parmi nous vers Jannah ou bien parmi nous vers l'enfer, qui chose la telle récompense ou bien qui chose la telle punition, tout ça là, nous vous tirons depuis le Coran, nous vous tirons depuis le Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien la source apporte sa dina. Pena le source de sa dina apporte sa dina. Et tout bon source secondaire, l'y oblige repose l'eau sa dina. Par exemple, dans le din, un premier bon source qui nous vient là, c'est analogie. Analogie veut dire nous compare des quittes, mais faudrait qu'il retourne vers Coran avec sunna. Nous pas qu'à tirer dans l'air et nous prendre, nous implémenter dans la vie, dans nos bonnes ibadah. Il est obligé de retourner vers le Coran avec Sunna. Donc, source principale de nous dire, c'est le Coran et Sunna, et nous n'avons pas besoin de n'en apporter le Coran et Sunna pour nous pratiquer nous dire, nous relater à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons, nous visons seulement le Coran, et nous n'avons pas besoin de n'en apporter ça pour nous pratiquer nous dire, nous relater à Allah, alors il y a un groupe d'équiteuses. Il y a un groupe d'équiteuses, premièrement, c'est un livre céleste. Ben livre qui fin descend, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin descend, le ben prophète qui fin vient avant, le ben messager qui fin vient avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala fin donne ce ben livre, alors ça ben livre là, quand je dis avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'est-il applicable, le chaque prophète tient à ce livre, ou bien chaque messager qui t'y vient, l'est-il tient à ce livre qui Allah fin donne. Mais une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient avec l'islam, il vient avec le Coran, alors il abroge tout ce qui est là avant lui. Tout ce qui vient avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le Coran vient descendre, nous quittons tout, nous prenons ce que le Coran peut dire. Nous quittons tout, nous prenons ce que le Coran peut dire. Et nous ne pouvons pas suivre aucun des autres, malgré qu'il vient descendre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que sa dîne-là, sa livre-là, les vins descendent au un prophète, mais malgré ça, ne pas pour gagner suivi après que l'islam et après que le Coran fin vini. Donc, n'importe qui s'en a, même si demain, un dîmon, les vins, mon gagne une vraie version de Injil, mon gagne une vraie version qui n'est pas falsifiée de Taurat ou bien de Zabour. Les prends les vins, ils disent, vous suivez la loi qui est dans la loi. Ça, dîmon-là, il n'y a pas qu'un roi faire une quitteuse pareille, et s'il fait lui, il sortit en dehors de l'islam, parce qu'il quitte sa appartenance à Coran, à l'islam, il peut suivre un le dîne apporte l'islam, donc ça dit maintenant, il n'y a pas qu'un roi, applique un autre la loi, apporte la loi qui finit descendant dans Coran. Et déjà, c'est tout une quitteuse qui contredit le livre qui Allah subhanahu wa ta'ala finit descendant. Qu'il soit par l'opinion de Benjamin, ou bien par la parole que Benjamin dit, ou ici, ou là-bas, ou tout ça là, nous prenons, nous mettons dans une boîte, et nous posons le Coran là où tout quitte. Le Coran, il vient là où tout quitte. Nous référence c'est le Coran. Nous référence après le Coran, c'est la Sunna. Ça, c'est nos références. Nous ne prenons pas rien à part, ça dit là, pour qui nous déduire quitte dans le dîme, ou bien pour nous pratiquer quitte dans le dîme. C'est juste des sources qui nous est là pour nous pratiquer sa dîna, comment Allah subhanahu wa ta'ala les finance. Et tout ce qui nous fait mentionner, mon frère et ma soeur, alors quand nous tient sa bonne déduction là, ou bien sa bonne parole là, ce qui nous fait énumérer, quand nous tient ça, tout ça à la lumière de ban ayat Quran et ban hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nahl, ayat 89. Donc, surah An-Nahl, ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay, wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous fin révèle à toi le livre. »« Wa nazzalna alayka al-kitaba » Nous fin révèle à toi le livre. Qui livre ? Coran. Nous fin révèle Coran à toi. « Tibyana li kulli shay » Une explication,
un éclaircissement, une clarification pour tout qui tue. Tout qui tue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit le mot kul. Kul veut dire tout qui tue, sans exception. Tout qui tue, ce qui nous bizarre dans sa dîne, sans exception, et n'a son réponse dans le Quran et dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huda, c'est une guidance, Aqulana c'est une guidance, wa rahma, c'est une pitié, wa bushra lil muslimin, et il y a une bonne nouvelle pour ban musulmans. Pour ban muslimin, veut dire ban qui soumet à din Allah subhanahu wa ta'ala. Ban qui attrape sa livre là, et se fin soumet, il y a une guidance, il y a une pitié, et il y a une bonne nouvelle pour Savannah. Alors, ce qui concerne nous ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les fins des saints Coran comme une explication pour tout qui tue. C'est-à-dire, sa Coran, il y a une explication et une clarification pour tout ce qui est un insan, les bizarres relatés à Allah subhanahu wa ta'ala, pour les capables de vivre dans ce dunya et dans ce akhirat. Concernant ce ban ibadat, concernant ce ban croyance, concernant ce ban dealing qu'il fait, et ce ban interaction, ce comportement, etc., façon de vivre avec sa famille, tout ça là, Quran, les vin-vin pour clarifier tout ça là, les vin-vin pour expliquer nous tout ça ban quelque chose là. Et le fait qu'il déjà peut expliquer de tout quelque chose, alors, définitivement, personne n'a aucune nécessité pour aller au redonner quelque chose à part, le Quran, vu qu'il déjà peut expliquer tout quelque chose. Le Quran, il déjà peut expliquer tout qui tue. Et dans le hadith, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait trouver certaines manfeuilles de Taurat. Il fait trouver certaines manfeuilles, une page de Taurat dans l'ami de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, l'ami de Omar, radiallahu anhu. Alors, il fait dire, le prophète fait dire, est-ce qu'il te bouvine avec n'importe quoi? Est-ce qu'il te promène n'importe quoi? Et, est-ce qu'il te bouvine avec n'importe quoi? Oh, Ibn Khattab, bouvine bin avec ça, veut dire avec l'islam, pour, bouvine bin avec l'islam, vous êtes clair et pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il amène l'islam, il est clair, l'islam est clair et il est pur. Il n'est pas mélangé avec aucune petite chose. Si Moussa est vivant et je t'y quitte moi pour suivre lui, si Moussa alayhi salam est vivant dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je t'y quitte Rasulullah pour suivre Moussa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je t'y boutonne dans les gommes. Pourtant, c'est un prophète. Est-ce qu'il quand suivre un prophète, nous tombe dans les gommes? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je t'y quitte lui, je suis Moussa, je vous tombe dans les gommes. Comment? Parce que le Coran, une fois qu'il est venu, l'infini abroge sa dîne qui Moussa alayhi salam il vient avec ça. Moussa alayhi salam se dit, il n'est plus en application. Nous pas gagner le droit de prendre dîne de Moussa quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Parce que Moussa, quand il est venu pour ce peuple. Il n'est pas venu pour l'humanité en entier. Il vient pour ce peuple, il vient de Banu Israël. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il vient pour ça là. Est-ce qu'il existe pour un arabe? Non. Est-ce qu'il vient juste pour un non-arabe? Non. Il vient pour l'humanité en entier. Donc, n'importe qui ça là, qui vient une nouvelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui obligé à accepter l'islam. À cause ça même au commencement, qui nous apprend? Dans la première session, qui nous apprend? L'obligation pour nous accepter l'islam et nous mettre en pratique dans nous la vie. Qui fait? Parce que ça, c'est digne qui nous besoin suivre. N'importe qui s'en a pour dire, vous suivez le digne. À part digne d'islam, lit dans l'également, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Sinon, si il n'est pas comme ça, bien aujourd'hui, ben chrétien, tu peux la raison. Pour se suivre, digne de Moussa alayhi salam. Ben juif, tu peux la raison. Si je te vous suis, digne de ce prophète qui vient venir vers eux. Et majorité de ben prophète que tu es venu. Il vient dans, parmi ben juif et ben chrétien. Alors, ben là, tu peux la raison, nous, tu peux la tour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait un décret que l'islam, c'est digne universel. C'est ça, digne, qui pour, là-haut, tous les autres dignes. Alors, une fois que l'islam vient venir, nous quitte tout, quitte chose, à part
l'islam et nous attrape seulement le Coran pour qu'il ne nous pas tombe dans l'égarement. Et dans notre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si Moussa est vivant, alors lis, nous n'avons pas de hadith là, si je quitte le prophète pour suivre Moussa, je t'y tombe dans l'égarement. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, si Moussa alayhi salam lit vivant, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, avec l'islam, Moussa alayhi salam participera à l'autre choix à part suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lit pour bien suivre, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Parce que c'est ça, din qui accepte auprès d'Allah. A cause de même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna dina inda Allah l'islam. Certainement, le dîn qui accepte à beaucoup d'Allah, c'est l'islam. Une fois que l'islam est venu, nous quittons toute chose. Nous prenons seulement l'islam et nous mettons en pratique dans nos lignes. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vient dire à Omar radiallahu anhu, est-ce qu'il te convient avec n'importe quoi? C'est une façon, un style, une question. Ce n'est pas une question pour lui redonner une réponse, non. Mais une question pour lui réprimander. Pour lui réprimander ce qu'il fait. Ce qui lui permet, pour montrer que ça qui lui permet là, lui n'a aucune valeur. Alors, lui vise à suivre seulement le Coran et lui quitte ce qui tient là dans son armée, c'est-à-dire une page de Taurat. Alors, lui quitte quand le Coran est présent pour lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui veut dire si Moussa est vivant, alors lui ne prend aucun choix. À part suivre moi, alors, donc, même le prophète, je ne sais pas si capable de suivre le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de Dieu dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, si Allah subhanahu wa ta'ala tu gardes sa prophète vivant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient venir, là aussi, malgré je t'y bat prophète et je t'y vous suivre, je t'y désigne un livre, là aussi je t'y dis, quitte ce livre, je suis pour Al, pour qui je gagne succès et devant Allah subhanahu wa ta'ala, je vais pas être blâmé. Je suis pas obligé de suivre le Coran. Un exemple qui nous est là et qui peut arriver, c'est l'exemple de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam vient avec un livre. Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne? C'est Injil. Donc, Isa alayhi salam vient avec Injil, il vient avec ce peuple, il annonce à Ibadla Injil. Certaines viennent accepter lui, certaines viennent rejeter lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret qui lui enlève Isa alayhi salam depuis sa terre. Il enlève lui vivant depuis sa terre. Isa alayhi salam prend pour mot, mais il est là pour retourner à la terre pour lui goûter la mort. Quand il pourrait retourner, est-ce qu'il pourrait? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà fini. Et il est déjà fini mort. Quand Isa alayhi salam vous venez, alors qui dit qu'il est dans la terre, qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, Isa alayhi salam, quand il vous venez, malgré qu'il y ait un prophète, mais il n'est pas pour venir dans le statut d'un prophète. Il n'est pas pour retourner dans le statut d'un prophète, au contraire, il vous retourne comment elle suivait de l'islam. Quand il peut venir dans la terre, pour qu'il joue d'amour, et une étape qui est avant Qiyamah, que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous connaître, les bouts descendent et les bouts aident ensemble avec l'imam Mahdi pour faire victoire au Dajjal. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaître qu'il vous retourne comment elle suivait de l'islam. Les bouts bizarres mettent en pratique ban la loi de l'islam. Les bouts bizarres suivent ban la loi de l'islam. Le Badja, à cause de l'Isa alayhi salam, un prophète, alors les bouts suivent sur la loi, non. Mais c'est digne à l'islam qui gagne le dessus de l'autre. Alors nous, si ça c'est un prophète, lui pour nous suivre l'islam, nous maintenant, nous devons plus attraper. Parce que nous ne pas finir avec livre, nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous descendre wahi l'eau, nous. Donc nous devons attraper le Coran, nous attraper l'islam et nous suivre ça Coran. Et nous quittons tout quelque chose après le Coran et sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il nous peut faire victoire. Dans dunya, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous retourne nous le lire, et c'est dans sa façon là que le jour du Qiyamah nous vous trouve le succès dans Jannah et Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder nous une meilleure place dans Jannah basant l'eau qui quantité de l'islam nous fait mettre dans nos lives.
s'il nous tient dans l'islam, plein dans nos vies, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser plein pour ce qu'il nous fait nous la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous t'y prenons une bout ici et une bout là-bas pour nous suivre, alors le jour du Qiyama, c'est ça même qui nous gagne. Et majorité, c'est nous et là pour rendre compte pour ce qu'il nous pas fait faire. Alors, pénalité de sa joue là. Question-réponse devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour bien dur. Nous et là pour rendre compte et nous risquer de trouver nos places ou bien nous capables de faire un séjour dans l'enfer, place plus horrible qui est là. Alors, nous devons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait nous pour nous signifier dans ce dîn, nous y ait nous pour nous gagner la compréhension de ce dîn et nous mettre en pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pas de nous pour le péché et la négligence qui finit là. Dans nous la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit améliore ce qui restait de nous la vie, dit tout seul qui connaît qui quantité qui restait. Et que Allah subhanahu wa ta'ala y accorde nous un bon amour, y accorde nous un amour au l'islam authentique, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous retrouver nos places ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et souban sahaba le jour du Qiyama dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.